Alors, Donc moi, pour moi, c'est grave. Donc j'ai pris le temps de... bien évidemment que c'est Pardon? grave, bien évidemment, oui. Par contre, je vais vous Voilà. demander, Donc s'il vous moi, dans les plaît, médias, j'ai... Monsieur le Président, je vais vous Pardon? demander, s'il vous plaît, une copie de l'article 40 que vous voudrez bien m'envoyer, s'il Tout à vous fait, plaît. madame. Bien Merci. sûr, madame. Bien sûr. Très bien. Je note. Vous avez eu connaissance à quel moment de ces faits? Quand je suis revenu du championnat du monde d'Antalya, je crois que c'était vers le Février. début novembre. Il n'y a pas longtemps, il y a une dizaine de jours, 15 jours, comme Ah, ça. d'accord. Et à votre connaissance, vous ou un membre de la fédération a déclenché combien d'articles 40? C'est le premier, madame. D'ailleurs, j'ai demandé au ministère quand j'étais les voir. Avec la personne qui gère le signal sport, ils m'ont dit qu'il n'y a eu aucun signalement de votre fédération. Et c'est le premier. Et c'est grâce au travail que je fais au quotidien auprès des clubs et quand je me présente dans les compétitions. Parce qu'il y a des gens qui n'osent pas peut-être trop parler, mais à chaque fois, je parle pour les mettre à l'aise. Et je pense que cette demoiselle pourra me dire peut-être qu'il y a d'autres filles. Ils ont subi le même sort dans ce même club. Et ce club-là, il n'est pas affilié chez nous depuis 2017 ou 2018. Il est affilié dans une autre structure. Et quand avez-vous eu cet entretien avec le ministère? Concernant les signalements, Oui. au moment où je vous ai envoyé le lendemain de l'audition de la commission, donc M. Moulina a préféré des accusations très graves et donc j'ai demandé à être reçu par le ministère et j'ai été reçu par Madame la directrice Fabienne et la personne qui gère les dossiers sur le signal sport. Et de quoi avez-vous parlé avec elle? On a parlé de tout ce qui ça a été l'accusation et de la calomnie qui a été dite pendant votre commission. Et on a échangé dans tous ces secteurs-là par rapport au cadre d'État. Et je posais la question, j'ai dit, Madame la directrice, est-ce que vous avez déjà des signalements de notre fédération? Parce que nous, à la fédération, on n'a aucun signalement. Parce que pendant la commission du 20 juillet, votre invité, il a cité un club dans les sous-bois. Et qui disait que, bon, il a précisé, parce que je suivais un petit peu après, que la fédération, le président, ils n'ont rien à voir, mais quand même, c'est un club qui est affilié à la fédération. Et c'est de là que je suis parti voir le ministère pour dire est-ce qu'il y a des signalements ou pas? Parce que nous, on n'a pas eu connaissance. Donc, vous dites que c'est vous qui avez demandé un entretien avec Madame Fabienne Bourdet. Tout à fait, madame. Et avez-vous eu un autre contact suite au fait que le ministère des Sports ait saisi la justice pour faire suite au témoignage Je n'ai pas eu d'autre contact. de Monsieur Molina? Non, je n'ai pas eu d'autre contact, madame. C'est la seule fois que j'ai été voir madame Fabienne Bourdet, la directrice des sports.